Salut, salut, bienvenue sur Another Homepage, j'espère que vous allez bien, je suis toujours Nils. On se retrouve pour un nouvel épisode qui, cette fois-ci, va être consacré à la génération de sites web statiques. Et ça commence plutôt déjà bien, ça c'est chouette. Merci Xavier pour ton sub, merci beaucoup pour ton soutien sans cesse renouvelé, ça fait très plaisir. J'espère que tu as passé un excellent week-end. Ah, hop. Et à la vôtre, si vous avez de quoi boire. Alors, un petit instant, le temps que je remette le chat devant mes yeux. Et salut à toi, moissonneuse beuteux. Salut à toi, KF35. Je me rends compte que j'ai oublié un truc. Je vous demande 2 petites secondes. Je reviens tout de suite. Pof, pof, pof. Et me revoici, me revoilà. Il se trouve que j'avais juste oublié ça. Et ça, c'est important parce que je suis d'astreinte encore aujourd'hui. Donc, hop. S'il avait sonné ailleurs, bon, remarque, il est connecté à la montre. Donc, la montre m'aurait dit, au fait, il y a un souci, mais bon. Hop. Comme ça, au moins, j'ai la montre et le téléphone à portée de main, littéralement pour la montre. Xavier, tu es aussi au thé, c'est très bien. Moi, je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas la grande forme, j'ai la crève. Donc, je carbure avec tisane, avec louche de miel dedans. Salut à toi, Gaëtan le Belge. J'espère que tu passes un bon week-end. Et pareil aussi pour Little Black. Bien. Donc, le sujet du jour, vu que justement je suis pas au top de ma forme, je me suis dit, sur les sujets que j'ai envie de faire, on va peut-être faire un truc qui, je l'espère, sera relativement simple à gérer. Donc l'idée, ça va te faire jouer avec un générateur de sites statiques. Salut Zeuf, j'espère que ça va. Donc l'idée, c'est de faire joujou, enfin de découvrir. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de mon, comment dire, de ma présence sur Internet, globalement aujourd'hui, est-ce qu'ils génèrent des sites statiques random grâce à ChatGPT? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas prévu de faire joujou avec de l'IA aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc, j'en étais à... Ouais, il se trouve que parmi ma présence sur Internet, on trouve notamment mon blog, hop, qui tourne en fait, enfin c'est qui a pendant très longtemps a tourné en PHP en utilisant un CMS qui s'appelle DotClear. Et je l'ai converti en site statique. En utilisant un site, un générateur qui s'appelle Pélican. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas le lien vers le projet. Mais normalement, ça doit être getpelican.com. Pelican.com, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un générateur de site statique qui est fait en Python, que j'aime bien, que j'apprécie. Et j'ai pas prévu dans l'immédiat d'en changer. Néanmoins, je trouve que c'est intéressant. À plus d'un titre de regarder toujours des alternatives.
Et c'est pas pour migrer mon site vers un autre générateur de site statique, mais plutôt pour essayer de faire d'autres sites. Notamment, je suis notoirement, on va dire, en retard, même si j'ai jamais promis quoi que ce soit, sur un renouveau d'un certain site qui s'appelle NetBSDFR. Il se trouve que pour le moment, le site en question, il y a juste une page de type placeholder, et j'aimerais à l'occasion améliorer ça. Donc je me dis que en profiter pour essayer un autre générateur de site statique, ça peut être une bonne idée. Le site de Hugo, hop, le générateur de site statique que je vais essayer ce soir. GoHugo.io. Je vais vous envoyer d'ailleurs sur les liens. Je vais vous envoyer tout ça dans le chat. Donc, hop. Ça, c'est pour Pélican. Ça, c'est pour Hugo. Hop. Et l'idée, c'est que j'aimerais réussir à faire un premier jet, faire un premier site statique avec, essayer de le poser quelque part sur le Home Lab. Et réussir à faire en sorte que vous puissiez y accéder. Je ne garantis pas qu'il y aura du code dispo à la fin du stream. Les habitués savent que j'ai une certaine fierté à faire en sorte que mes codes soient disponibles généralement sur un dépôt sur mon profil GitHub. On verra ce que je produis aujourd'hui. Je promets rien. Alors, on a un truc qui s'appelle Quick Start, hein, si on regarde ça, vite fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut installer Hugo, il faut installer Git. Oh, Git, ça tombe bien. Ça me fait penser. Je crois que lors de mon dernier stream, j'avais eu un petit souci pour committer que j'ai résolu, genre, peu de temps après. En fait, c'est juste que comme j'avais ouvert en fait un Tmux sur ma machine depuis une autre machine, puisque j'avais fait mes petites préparations pré-live depuis une autre pièce, donc j'avais pris un laptop, je m'étais connecté en SSH à mon desktop, et en fait, c'est juste à cause de ça que Git avec GnuPG, ils avaient un peu du mal à causer. Enfin, c'était même pas forcément GnuPG, c'est l'interface GNOME qui me réclame le mot de passe de ma clé GPG. Donc, voyons voir ça. On va peut-être regarder comment on peut installer Hugo facilement sur Fedora déjà d'une. Je suppose que si je viens ici. Et que je fais un sudo dnf search Hugo. Ok, donc ça a le mérite d'être simple, hein. Ça va se finir en sudo dnf install Hugo. Donc moi ça me va. J'ai fait pas mal de changements, de petits changements ces derniers temps sur, j'ai envie de dire sur le stream en lui-même, je dirais dans la dernière semaine. Donc si jamais en termes de son la qualité s'est abaissée, si en termes d'image la qualité s'est abaissée, je suis preneur de feedback. Je ne vous dirai pas exactement ce que j'ai modifié. C'est juste histoire d'éviter de vous dire ah au fait j'ai fait ça et vous allez me dire ah oui maintenant que tu l'as dit on s'en rend compte. Son et image OK pour Little Black. Merci, c'est gentil. Mais j'en profite pour vous dire que franchement il y a des fois les OBS, enfin
Je trouve que OBS, c'était génial. Je trouve ça génial que ça existe et que ce soit libre. Mais il y a des fois, j'ai quand même des blagues avec OBS. Non, là, je dois avoir une version. Bah ouais. OBS 30.1.2. Donc normalement, je suis sur les dernières. Vu que je mets à jour régulièrement. Pas dire tout le temps. Donc, j'ai installé Hugo. On va aller se mettre dans un répertoire. Documents. Projet. Parce que si je guide pas le truc, ça sert pas à grand chose. Donc. Allez, stream test. Tac. Ce qu'on va peut-être se faire, c'est. On va appeler le truc Hugo test pour le moment. Allez. Donc. Leur quick start, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut avoir installé une certaine version. Donc, on va vérifier que notre version est récente. Et j'ai une version 111.3. Et eux, ils veulent une version 112 ou plus tard. Ah. J'ai envie de tenter un truc. Flatpak. Non, Flatpak. J'ai pas. Attends, pourtant c'est bien Flat. C'est Flathub. Non, pas de Flat. Ah. Alors comment je. Bah si, pourtant j'ai. Ah mais. C'est une blague. Pourtant j'utilise bien Flat. Bah, je l'ai écrit correctement. Ah mais je suis pas sur la bonne machine. Je suis pas sur la bonne machine et j'ai fait vraiment le. Je suis pas sur la bonne bécane. Pourquoi je suis pas sur la. Allez. Je suppose que là, par contre, je vais avoir la même blague. Merci beaucoup, Witch, pour le raid. C'est gentil, merci. Avec une personne, mais quand même, c'est gentil. Qu'est-ce que vous faisiez de beau chez Ouija? Un émulateur de quoi? Un émulateur de Game Boy. C'est quoi? C'est tu codes un émulateur de Game Boy ou tu jouais avec un émulateur existant? Ah, tu codes un émulateur Game Boy. Ah ouais. Ah, il y a du level là. Le Game Boy, c'est quand même un appareil assez fantastique, je trouve. Non, et puis en plus, assez complexe. Oui, sans doute. Bon, après, enfin, on dirait pas de l'extérieur. J'avais regardé une vidéo sur YouTube il y a quelques temps qui expliquait ouais, comment dire, justement, certaines caractéristiques du matériel, quel choix avait été fait. Et c'est vrai que c'était assez fantastique.
Et c'est là qu'on se rend compte que les ingénieurs de Nintendo, que ce soit il y a beaucoup de temps, parce que je crois que le Game Boy est sorti genre en 1989, enfin voilà, fin des années 80, et la Nintendo Switch qui est sortie fin des années 2010, si je dis pas de bêtises. Finalement, c'est deux consoles qui étaient entre guillemets techniquement dépassées à leur sortie, mais qui plusieurs années après arrivaient encore à produire des jeux assez chouettes. Donc c'est toujours la 0111 et j'étais en train de me demander si si je tente un flat pack. Voilà, là j'ai flat pack. Search, si je cherche Hugo. Je n'ai rien. Podman. Podman, image. Je sais plus si je peux faire un search. Alors, vous allez me dire lancer Hugo dans un conteneur, c'est peut-être pas fifou, mais. Ils disent pas à un endroit comment l'installer de façon rapide. macOS, Windows, Linux. See the getting started guide for other methods. Oh, merci beaucoup Fixou pour le sub. Pour le nouveau sub. Merci beaucoup Fixou, c'est très gentil. Hugo, à pas confondre avec Bruno, effectivement. Mais on ne parle pas de Bruno. Vous avez la ref. D'ailleurs, Fitou, je peux en direct, dis. Est-ce que je peux? Pendant que je hop, récupère ma page ici pour faire un petit déjà shootout. At. Hop, Fixou, tac. Eh bien, joyeux anniversaire, Fixou Lab. Joyeux anniversaire. C'est pas un secret, comme dirait Léa, effectivement. Donc j'espère que tu profites bien de ton de ton jour du gâteau. Mais de rien, ça me fait plaisir. J'ai vu passer sur X et je me suis dit, oh! Je vais streamer aujourd'hui, il y a peut-être moyen qu'il passe. S'il passe, je le fais en live. Alors je vous avoue que j'ai pas envie de faire un truc en mode build from source. Je trouve pas ça très. A priori, ils ont des. Ils ont des binaires déjà dispo. Ils ont du tar, ils ont du deb. Alors. Bon, je pense que je vais quand même tenter la version RPM. On verra si ça me pose problème. Mais j'ai pas envie de prendre 2 heures juste pour installer un petit soft. Surtout que. Surtout qu'a priori, enfin. Et a priori, ils proposent pas de. Dans leur. Comment dire? S'ils proposent pas dans leur. Dans leur quick start. Puis je vois pas d'organisation qui s'appellerait Hugo ou quelque chose. Enfin, il y a peut-être des gens qui font des trucs bizarres, mais j'ai pas envie de prendre le risque avec un conteneur de la d'une provenance inconnue. Sudo, allons-y, DNF, hein, hop là, moins Y, installer Hugo, hop, allez. Bah écoute,
Ça va, modulo le gros rhume, je pense que ça va s'entendre au niveau de ma voix. J'ai un peu le nez bouché. Et je suis pas du coup au top de ma forme, mais je suis pas non plus au 36e dessous, donc je me suis dit je stream quand même. Bon. Il m'a quand même installé Mercurial, hein, le bougre. Et Subversion. Parce qu'à la limite, qu'il m'installe Golang, ok. C'est bizarre. Je pensais avoir fait un truc. Ah non, tiens, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Ok. Il m'arrive bien souvent. Tiens, je vais vérifier sur ma machine Homelab si je l'ai fait. Voilà, c'est ça. Allez, on va désinstaller, on va réinstaller. Je sais que ça dure un petit peu, mais donc il m'enlève bien Subversion, il m'enlève bien Mercurial. Ok. Et c'était quoi les weak dep? Mercurial, Golang Bean, Python 3, gnagnagna. Ok. Salut à toi, Bandit 6-2. J'espère que ça va. Hop. CC, BNF, BNF.conf, et je me rajoute un petit hop. Voilà. Tac, j'ai pas envie d'installer 25 milliards de dépendances. Non. Ah bah oui, alors là. Là, 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 on parle, là, on parle, là, c'est léger. Bon, on est quand même un petit poil en dessous de leur version recommandée. On va voir si c'est vraiment gênant quand même. On verra. Alors, tu vas commencer une formation 100% en ligne pour faire technicien supérieur système et réseau. Ah bah le nom fait envie. En tout cas, vu les sujets de stream ici, ouais, ça fait envie. Bah je comprends que t'es hâte. Juste parce que je crois que c'est déjà arrivé que j'ai des gens qui me posent des questions sur des formations. Si tu as envie de donner quelques détails. Genre l'organisme, quel type de diplôme ça délivre. Sans faire de pub, hein, l'idée c'est pas de. J'espère aussi qu'en termes de financement, tu as réussi à faire ce qu'il fallait. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des formations ou des organismes de formation. Alors je dis pas ça forcément pour l'informatique, mais des fois j'ai l'impression que quand même ils se. Comment dire sur les tarifs, ils se. Je ne vais pas dire qu'ils se font plaisir, mais ça reste quand même des tarifs assez parfois prohibitifs. Donc, on vient d'installer Hugo via notre package manager. Jusque-là, tout va bien. Si je reprends le quick start. Quick start, paf. D'accord, tu peux mettre ton CPF et tu peux compléter si tu n'as pas le budget avec. Un, plusieurs fois 24 mois si besoin. Ok. Et en termes de. C'est équivalent à un bac plus 2. Ok. Ok. Alors. On a installé Hugo, on avait déjà Git. On peut faire Hugo version. Tac. Ouais, bah je comprends que tu aies hâte. J'espère en tout cas que ça t'apportera tout ce que tu as envie et même plus. Donc, ben on va faire Hugo New Site Quick Start, vu qu'a priori c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, donc on a un truc. Qu'est-ce qu'il nous a fait comme arborescence pour le moment? Il nous a posé un config.toml, il nous a fait un default.md, on a quelques répertoires. Il nous dit de faire encore quelques
quelques trucs et on sera prêt à avancer. Il faut télécharger un thème dans le répertoire thème, ok. Et après rajouter du contenu. On va voir ça. C'est des quick start. Alors on va pas faire de git init, hein, vu que l'idée c'est pas forcément de faire un truc gité dans l'immédiat. Il n'y a pas de problème. Alors, non, l'infra Ascot pour le moment, c'est à peu près fait. Donc, comme j'ai quelques sujets que j'avais envie de faire, et comme aujourd'hui je ne suis pas au mieux de ma forme, je me suis dit que j'allais prendre le sujet le plus simple. C'est-à-dire que j'avais envie de tester le générateur de site statique Hugo. Puisque j'aime bien utiliser maintenant des générateurs de site statique plutôt que d'utiliser des CMS en PHP. Donc je me suis dit que ça valait le coup de faire un stream sur ça. Alors, écho thème égale un que dans hugo.toml. Ah oui, puis il fait un git submodule add. À mon avis, ça c'est pour récupérer le contenu du thème. On va quand même jeter un œil au thème. Je sais pas s'ils ont une photo de. Ok. Ouais, bah je vais le git clone, hein, je pense, de façon bête et méchante. Et on verra après si ça passe. Remarquez, non, je ne peux pas le git clone bêtement, en fait. Ah si, si, parce que ça va faire thème anonque. Ouais, ok. Je peux le git clone maintenant. Hop. Hop. On va du coup. Alors, il dit hugo.toml, mais à mon avis, ça va être config.toml. Oui, bah donc du coup, c'est pas très futé ça. Hop. Et en fait, ça, c'est pas très futé non plus. Faut récupérer juste entre les côtes. Mais c'est qui, Hugo? Certains ont vu les petites blagues que j'ai faites sur les réseaux sociaux. Alors, et après, normalement, on doit pouvoir faire un Hugo serveur. Ok. Hugo est-il dans la pièce avec moi? Non. Non, non, non. Hugo n'est pas dans la pièce avec moi. Et a priori, maintenant, je peux aller sur localhost de point 13.13. Et bon, on va voir ça tout de suite. My new Hugo site. Ouais, ok. Bon. Forcément, il n'y a pas grand-chose. Mais on a un truc. On a un truc. Et on peut faire CTRL-C pour s'arrêter. Environnement, développement, serving pages from memory, running fast. Presque, on sait tout ça. Ok. Et par contre, il affiche rien en termes de. Il affiche rien d'autre en termes d'accès. Ok. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Voyons voir ça. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, hop, si je retourne sur le quick start. Explication des commandes. Donc on a créé, ouais, on a effectivement créé une structure de répertoire. Ok, bon, les git modules 1 et le truc serveur, pardon. Ok. Et après, quand on veut créer une nouvelle page, faut lancer une nouvelle commande. Ouais, ok, on va le faire, allez. Ah. Ça va être peut-être les. Go. Hugo New, ouais, ok.
Donc a priori ça voilà, ça commence à déjà en termes de version. À mon avis, ça fait partie des commandes qu'ils ont dû rajouter depuis, puisque ça, à mon avis, ça permet juste de voilà, de faire created content post. Donc ça, à mon avis, on va pouvoir faire un mkdir. Hop, allez, content. On a dit post. On va l'appeler my first pod, my first post ensuite. Voilà, et dedans. Je sais pas si les 3 plus sont. Hugo, c'est un délire. Oh, j'ai la ref. J'ai la ref. Je suis vieux, j'ai la ref. Salut à toi, Bilouret. J'espère que ça va, que tu passes un beau week-end. Oh là là, je suis vieux, j'ai la ref. Oh mon Dieu. Notice de draft value. D'accord. Ouais, ok. Ah, d'accord. Ça, c'est les. Ok. Et ensuite, on peut rajouter ça. Ok. Et bon, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Tac. Et ensuite, on sauve. Et on peut builder les drafts. Ok. Donc on retourne ici. Je fais ça. Et effectivement, on voit My First Post. Et on voit bien introduction, bold text, italique et un lien vers le site. Ok. Comme on a vu. Donc ça, c'est cool. Ensuite, il nous propose de lancer Hugo Server moins grand D. Alors j'imagine que. Nous dit quoi? Ah oui, une. D'accord, en fait, on a le moins moins build draft qui est la version longue et le moins grand D qui est la version courte. Ok. Ah, on peut rajouter du contenu en direct comme ça. Donc, si je reviens ici, que je me déco du Home Lab. Je ne sais plus dans quel répertoire j'étais, moi. Hop là. Donc là, je vais juste sauvegarder. Et est-ce que pendant ce temps, il a. C'est ça, il a détecté un changement, il rebuild le site. Et si je vais jeter un œil à ma page. Hop, t'es où? T'es là. Attends. Attends, attends. Il m'a. Mais il y a combien de tonnes de JavaScript là-dedans? Il fait des auto-refresh ou quoi? Parce que ça, là par contre, alors je comprends que ça peut paraître confortable, mais le refresh auto, attention, hein. Base URL, language code, title, ok. Ensuite, publier. Ok, alors, GitHub Pages, ça peut être marrant. Je ne vais pas forcément le faire aujourd'hui, mais GCS S3 ou Azure, Rsync. Rsync, ça me botte bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rsync
Render, c'est quoi ce bignou? Je vais faire, je vous en ai un petit instant, juste avant qu'on attaque ça. Hop, je vais faire un léger, une légère pause. Et me revoici, me revoilà. Donc, ça, je vais juste jeter un œil parce que je pense que ça peut être marrant à l'occasion. Mais je vais pas. Hey, salut à toi, Adrien. J'espère que ça va bien. Tu vas faire un petit shoot-out à l'ami Adrien de Linuxtrix qui nous rend visite régulièrement. Fini le big week-end, 100% déconnecté, ça fait un bien de dingue. Ah, j'imagine. Donc en gros, ouais, en fait, il utilise les actions GitHub pour pousser. Ouais, bon, ok. Je vois le genre. Après, il doit y avoir, voilà. Hop. Il va récupérer directement un point deb de la dernière version de Hugo. Il installe des dépendances et puis ensuite il génère le site. Ah! Ah! On peut faire du minify. Ça, c'est cool. Et t'as fait quoi de beau alors durant ce week-end déconnecté, Adrien? Deployment. Et là, il déploie sur les pages. Ok. Ok, donc GitHub Pages, ça peut être une idée. Deploy with Rsync. Bah oui, si j'ai un accès à un serveur web avec du SSH. Pourquoi il veut rajouter un site de... Ah! Alors attends. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Là, je vous avoue, rando détente dans le Jura et resto évidemment. Alors moi d'habitude je cours, mais comme cette semaine j'ai un gros rhume, je me suis abstenu. Et pourtant j'avais très envie. Alors du coup je suis allé marcher un peu ce matin. Ah d'accord, en fait c'est un script de déploiement qui est local pour dire où aller le... Ok. Et c'est un répertoire qui s'appelle public. Mais ça, à la limite, c'est pas dramatique, on peut très bien faire un makefile à la place. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la tech. Dans les grandes lignes, des détails de plus pour enfin, la vulnérabilité là. Salut à toi, The Vengeur. Pitié, non, pas de makefile. Tout de suite. Ah, après, ça peut être un playbook Ansible, hein. Ou un script shell, effectivement. Mais bon, ok, c'est possible. Tu as vu vite fait et de travers les infos nationales, mais sans plus, t'as vraiment voulu déconnecter. Et The Vengeur qui est en mode, ah, là on cause. alors je t'avoue que pour ce qui est des infos nationales, moi, il y a un truc que j'ai arrêté depuis plusieurs années, c'est de regarder les infos à la télévision. Et il se trouve que je l'ai fait une fois cette semaine, parce qu'il y avait un reportage, on m'avait dit, ah tiens, il va y avoir un reportage à la télé sur un truc, bon, je ne donne pas les détails, mais peu importe, final. Résultat, j'ai regardé tout le journal télé jusqu'au moment où il y avait le reportage que je voulais regarder.
Oh la déprime! Oh la déprime! Et vous allez me dire que c'est les trucs qui font le plus d'audience en France? Que les gens, à 20h, ils regardent ça tous les soirs? Enfin, honnêtement, sinon, moi je regarde ça uniquement quand il y a des trucs vraiment importants, genre quand il y a une annonce du gouvernement ou un truc comme ça, mais tous les soirs, punaise. Et je trouve qu'il y a des jours j'ai pas le moral au beau fixe, mais il faut qu'on m'explique comment les cabinets des psychiatres sont pas encore plus pleins. Ben voilà, franchement. Bref. Revenons à nos moutons. Il y a un truc qui s'appelle Render. Donc ça, c'est plutôt un service, c'est ça? Render.com, qui propose, ouais, forcément, qui propose de faciliter du déploiement, pricing individuel pour hobby, student et indie hacker. Zéro. Il propose du site statique gratuitement. Cron job, one of job, background workers. Free instance, build pipeline starter, 10 minutes de pipeline et 100 gigas de débit. Ok, c'est intéressant. Il y a un managed PostgreSQL gratos. Automated backup, read replica. Il y a un Redis managé avec de la persistance. Ah! Ouais, d'accord, ok. Il y avait plein d'autres trucs là aussi. Mais ça, c'est pour l'additionnel. Ouais, ok. Bon, là, par contre, le Redis, faut peut-être éviter, effectivement. Il est à 25 centimes par giga et par mois. Bon, c'est. Vous allez me dire, dans l'absolu, c'est pas cher, mais il suffit que ça parte assez vite et. Ah, bah tiens, voilà une actu, la fin de Redis open source. Ouais. J'ai vu passer aussi, dans le genre actu tech. Que HashiCorp comment dire, veut aller en justice contre OpenTofu. Donc, pour celles et ceux qui n'avaient pas suivi, HashiCorp, qui est une autre entreprise de la tech qui a créé pas mal d'outils pratiques, dont Terraform, que j'ai beaucoup utilisé sur cette chaîne, et Vagrant, que j'ai un peu utilisé aussi sur cette chaîne. Ils ont fait des changements dans leur licence, du même acabit que Redis, grosso modo, sauf qu'ils l'ont fait il y a un petit moment. Et en gros, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui se sont mis à faire des alternatives open source, enfin open source, fully open source, vraiment libre, sous licence libre classique. Et de fait, il y a eu la création d'OpenTofu, il y a eu d'autres trucs. Je crois qu'il y a un autre projet qui a été pris par la Linux Foundation, mais comme par hasard, HashiCorp ne s'attaque pas à la Linux Foundation. Devinez pourquoi? Oui, voilà, OpenBAO pour Volt. Merci The Vengeur. Et donc le projet OpenTofu, bah, a priori, je ne sais plus comment. Je sais pas, est-ce que c'est une fondation? Est-ce que c'est OpenTofu? Hop, avec un seul F. Hop. Community driven, ouais, ok, mais est-ce que c'est. Ah non, c'est managé aussi par la Linux Foundation. Ok. Donc en gros, HashiCorp a décidé d'aller au fight avec la Linux Foundation. Ok. Ok. Bah ça va être la fête, dites donc. Bon, ils disent rien sur le projet, l'organisation, mais
Ok. Ouais, c'est vraiment full. Ouais, on n'est pas là pour expliquer comment. Bon. Et si je vais chercher OpenBO, tiens. Il y a comme un pattern dans le nom des projets, ça m'amuse. Bon. Ouais, bon, ils sont vraiment en mode ok. Je pense qu'ils se sont bien amusés aussi à trouver les noms. Ouais, je pense. Ok. Je sais pas s'ils ont prévu de faire des alternatives pour Packer et Vagrant, mais de fait, ça m'intéresse aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont trouver comme nom. Donc. Où en étais-je, moi? J'en étais à. On a fait un poste et l'idée, ce serait de déployer. Et j'étais en train de me dire que on va profiter du Home Lab. Je n'étais pas connecté sur une. Non, ça c'est le Payol. Et ça c'est le Home Lab Test. Ce que je peux faire. Ce que je peux faire éventuellement. C'est faire. Hop là, tu dois APK update. Tu dois APK install Nginx. Ah oui, c'est add, pardon. Je suis pas en forme. Hein. Hop. RC update Nginx default, je crois. Non. Ah oui, c'est add, je crois. Add Nginx default. C'est comme ça. Non. Hop. Non plus. Juste add, je crois. Ah bah oui, forcément, j'ai permission denied, normal. Sudo. Voilà. Service Nginx start. Sudo. Voilà. Ah, je suis en ASH. Ok, hop. C'est la machine test random de base comme ça, donc je. Bah, il est déjà installé. Voilà. Donc, on est bon. Donc là, 99, 12. Si j'ai bonne mémoire, je reviens ici. Ce que je peux faire, c'est faire un sudo. Non. Je peux les etc nginx. Alors, en fait, que je vous explique un peu ce que je vais faire. Hein. Je vais aller tout simplement faire en sorte de rendre le site d'exemple disponible. Alors, on a quoi actuellement comme config là-dedans? On redirige vers. J'ai un location slash Python vers 10.99.98.2. Qui doit être, si je dis pas de bêtises. Qui est lui.
Et effectivement, on avait fait un 80-80. Alors, et ben, ce que je vais faire, c'est que si je regarde, mon lab test, il est en 99-12. Ah, et j'ai déjà un... Ah, le 80-80 est déjà pris. Bah, dans ce cas-là, je ne m'embête pas la vie. Je ne m'embête pas la vie. On va faire un location slash. Pas de soucis, The Vengeur. Ah, il paraît que t'as une vie de famille. Bah écoute, bonne vie de famille, The Vengeur. Merci encore d'être passé. Et puis, bah, bonne fin de week-end. Et puis, bah, bon début de semaine à toi. Alors, on va faire un location slash. Je vais vous mettre ça à la racine. Hop là. Ah, hop là. Ah mais le plaisir est pour moi. Ça me fait plaisir de te voir à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit proxy pass, hein, comme ça. Et on va le mettre. En fait, je pense que je ne vais pas m'embêter. Je vais enlever mon. Oups. Je vais enlever mon histoire à la con de Python, en fait. Je vais juste mettre ça en commentaire. C'était pas fou, mais ça le fait. Ça aussi. On va faire un location slash comme ça. Et on fera écouter comment dire? Notre serveur Nginx sur le port 8080. On va laisser les trucs comme ça. Moi, ça me plaît bien. Ah, read only. Je pense que j'ai fait une bêtise. Voilà. Voilà. Ensuite, donc là, mon Nginx sur le reverse proxy, il est prêt. Sur ma machine de test, et eh ben, on va aller etc Nginx. Ah, j'ai une note ferme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop se prendre la. Donc on va faire un listen 80-80. On va pas le mettre différent IPv6. Et il va nous falloir un chemin. Et ben slash home, slash Nils, slash Hugo. Slash shop public. Hein, allez, public HTML. Allez. Hop, underscore HTML. Tac. Ça, on s'en fiche. Ah zut, c'est vrai que je suis chiant. Voilà. Ah, il a pas voulu. Qu'est-ce qui manque? Unknown directive. Ah oui, c'est parce que j'ai pas écrit route. Si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est route ou si c'est autre chose. Ouais, c'est mieux. Hop, allez. Donc là, on est bon. J'ai un rsync. On va faire un petit mkdir public HTML.
Ok, il existe. Oui, c'est vrai que je crois que je l'avais déjà. Voilà. Et j'ai déjà un index. Ce qui veut dire que je peux pour le moment tester. Alors, il n'est pas powered, mais on va changer ça. HP stream powered by YOLO. Allez. Tac. Ce qui veut dire que si je vais sur cette page-là et que je vous fais un HTTPS scw-other.anotherhomepage.org, voilà. J'ai bien mon AHP stream powered by YOLO. Ok, cool. Maintenant, je reviens de mon côté de mon blog Yugo. Si je fais. Alors, comment ils expliquent dans leur truc? Ils ont un petit script. Bon, pour le moment, on va l'adapter. On va pas s'embêter. Si je me mets ici, ce sera peut-être plus simple. Hop. Allez, deploy.sh. Je vais mettre bin bash pour le principe. Bah ça, c'est host, ce sera. Hop. Comment je me connecte à cette bécane déjà? 6, c'est OpenLab test. SSH OpenLab test, ok. Homelab-test et le répertoire bah, ce sera tout simplement public HTML. Oups là. Par contre, hop, voilà. Donc tu lances Hugo, rsync, moi avz, moi dilato, ça jusque-là tout va bien. Dollar, nanana, nanana, ok. Et juste pour la blague, moi j'aime bien faire un moins AVP et rajouter un moins stats. Hop. Et j'enlève le exit 0. Okay. Donc là normalement si j'ai pas tout cassé que je vais dans mon lab test j'ai des choses j'ai commande tri par là-dessus ouais donc oh ça va 600 kilos ça pourrait être pire et donc si je reviens ici hop et que je rafraîchis normalement. Voilà, et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur scwother.anotherhomepage.org. Tiens, je me suis trompé de fenêtre pour l'envoyer. Hop, je vous remets ici plutôt. Hop, voilà. Et comme ça, vous pouvez. Alors, par contre, ce qui se passe, c'est que là, le poste, il n'est pas en draft. Enfin, le poste, il est en draft, donc il n'est pas affiché. Donc, on n'a que dalle, en fait. Ce que je me dis, c'est que il doit y avoir moyen de faire content post tac et si je mets draft à false ou j'enlève tiens si j'enlève le truc draft hop et que je relance un deploy.sh. Vous remarquerez que j'ai même pas régénéré en local pour vérifier. Et donc j'ai plus qu'à recharger ici, recent post, read more, ok. Donc ça c'est cool. Ça c'est très cool. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et globalement j'ai eu qu'un seul souci à cause de la version de Hugo qui est trop vieille sous Fedora.
Maintenant, la question que je me pose. Donc là, le contenu, bon, il est. Ouais. Ce que je voudrais faire, c'est jeter un œil. Qu'est-ce qu'on avait vu dans le thème? Bon, on va aller jeter un œil peut-être à d'autres options. Parce que j'aimerais bien. Autres ressources. Ça, ok. D'accord, quand le serveur tourne, Hugo injecte un JavaScript dans les pages. D'accord, c'est uniquement sur un serveur. C'est uniquement quand on fait un test qui rajoute un JavaScript qui fait du live reload. Ok, je suis rassuré. C'est pas un truc qui va être injecté ailleurs. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Moi, ce que j'aimerais bien, bon, ok, il documente sa configuration. Ok, donc on peut avoir une config un peu plus. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est est-ce qu'il y a moyen de rajouter de la minification? Parce que ça, c'est un truc, ça me. Ah, on peut générer un robot.txt. Classe. Ça, c'est peut-être un truc qu'il faudrait que je rajoute sur mon reverse proxy, là, le SCWOther, que je rajoute un emplacement fixe vers un robot.txt qui dit va pas jeter un œil ici, c'est ça sert à rien. Ah, minify, configure minify. Voilà. Donc dans un fichier .toml, on peut rajouter un minify. Mais ça, c'est quoi? C'est les options par défaut? Ouais, c'est la config par défaut. Donc en théorie. Alors, de ce que j'ai l'impression, les moteurs de recherche, les principaux moteurs de recherche en tiennent compte. Maintenant, si tu veux vraiment pas qu'une page soit vue sur Internet, pour moi, le plus simple, ça reste encore de mettre un filtrage devant. Que ce soit un filtrage IP ou un filtrage par mot de passe. Et donc en théorie, il est censé, à moins qu'il faille que j'ajoute le module. Dans un point HT access, si tu utilises Apache, enfin, dans la configuration de ton serveur web de façon générale. Voilà, dans le VHost, sinon le directory section. Tout à fait. Online demo. Tiens, ça me plaît. Ah oui, non, ça c'est le online minifier. Moi, ce que je voulais, c'était. Ah mais d'accord, ça c'est en fait c'est un minifier en Go, c'est ça? Mais c'est que ça m'intéresserait un peu ça.
Mais de fait, comment on le default config? Et ils disent rien de plus. A priori, il serait censé faire la minification à la en. Alors, j'ai peut-être pas bien regardé comment je. Ok. Parce que là, ce qui m'embête, c'est que. Ça, c'est pas minifié, quoi. Donc. Je sais pas moi, allez, Hugo Minify. Ah, faire un Hugo moins moins minify. D'accord, allons-y. Donc, je reprends mon truc. Donc là, je peux faire un moins moins minify. Et donc là, si je retourne ici. Ah bah oui, là tout de suite c'est. Et si jamais je jette un œil et que je fais un demi moins ça, je dois réduire le répertoire public. Ok, d'accord. Je suis passé de 600 kilos à 580. Bon. C'est pas grand-chose, mais en même temps. En même temps, il n'y a pas grand-chose de base. Mais au moins c'est fait. Au moins c'est fait. Et ça c'est cool. Ça je vais refermer. Ça je vais refermer. Ça c'est. Hop. Ok. Bah, globalement, est-ce qu'il y a un autre truc qui me. A éventuellement changé de thème. Et voir. Parce que là, en fait, à mon avis, si je regarde ici, j'imagine que le nom du mé. Ouais, c'est ça. C'est un peu ce que je craignais. Hrefexample.org. Donc, on va changer ça tout de suite. Base d'URL, donc HTTPS. Là, pourquoi j'ai. On revient ici. On redéploie. Donc forcément, le truc change. Et là, normalement, on a bien à chaque fois des SCW other. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est cool. Par contre, si jamais je fais un Hugo serveur. Et que je reviens sur cette page-là. Voilà. Ici, par contre, je suis pas minifié. Par contre, si je contrôle C et que je fais un moins moins minify, effectivement, le test est minifié aussi. Ça, c'est cool.
Ok. Maintenant, on peut tester. Non, c'est pas les ressources, c'était content. Post. Est-ce qu'on peut faire des catégories? Section. Alors, The Vengeur, quand tu dis on avait souvent des demandes de modification des robots, c'est-à-dire qu'en gros les robots n'honoraient pas le robot.txt et de fait vous les modifiez, vous faisiez des modifications sur vos spiders pour les honorer. Après, je suspecte que quand tu bossais chez Quant, c'est parce que Quant était, à ce moment-là, je ne sais pas s'ils le sont toujours, mais soucieux de respecter le fichier robots.txt. Est-ce que c'est le cas de tous les moteurs de recherche? Ah oui, parce qu'ils sont en cache. Ok. Ah mais attends, du coup ça veut dire qu'il faut faire... Il faut faire soi-même la... Il faut faire soi-même, entre guillemets, l'arborescence. Moi, je comprends, oui, bien sûr. Tu parles de ton cas de figure au moment où tu y étais. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on ne va pas forcément faire de ton cas une généralité. Ok, type de contenu. Remarque, je vais essayer, tiens. On va peut-être essayer ça, tiens. Comment est-ce que je peux... comment est-ce que je peux... On a, ah oui, Articles and Product. Ok, je vois. Donc à la limite, si je reprends mon exemple, enfin si je reprends mon blog, et que je décide d'avoir, donc j'ai un about que j'ai mis dans des pages avec un mention légale, et je mets dans mes posts, et j'ai une URL de type année, mois, jour. Donc ça veut dire que... Ici, si je veux reproduire post, ce que je peux faire, c'est faire mkdir par exemple 2024, on va faire même un mkdir moins p 2024 04 et on est le 7. Et à ce moment-là, on peut lui donner un titre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, pas moi, streaming on hugo.md. Tac. On va éditer ça. Ah non, je l'ai pas. Je suis dans content. Voilà. Non, content.
poste 2024-04-07. Ok. Et là, ce qu'on peut mettre, c'est faire. Hop. Et 2024-04-07. Il est 19h28 au moment où j'enregistre. Bon, on va faire ça, allez. 19h. Oups là. On va faire 00. Et on est actuellement en GMT plus 2, même si honnêtement. Je serais plutôt tenté de vouloir mettre une heure UTC, mais bon. Tac, tac, tac. Et. Remarque, là, il écrit quoi? Introduction? Attends, il respecte le truc, il disait qu'il respecte le markdown. Donc, ce que je peux faire. Ah tiens, j'avais oublié un message. À mon humble avis, c'est mieux de le respecter, sinon ça sert à rien de se faire chier à le faire. Certes. Après, tu peux très bien avoir des. Comment dire? Des entreprises qui vont mettre en place. Des web spiders qui n'ont peut-être pas envie de s'embêter à respecter le robots.txt et parce que ce ne sont pas des moteurs de recherche grand public, ce genre de choses là, tu vois. Je dis pas que c'est bien, je dis juste que ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme Allez hop, c'est juste pour mettre un petit message. Voilà. Je reviens ici, je fais un. Et. On revient ici. Où est-ce que j'ai mon. Ah, tiens, du coup, c'est marrant, il m'affiche juste My First Post. Ah, Recent Post, Streaming on YouTube. Ok. Ok. Maintenant, si jamais je veux faire un About, par exemple. Dans ce cas-là. Donc on avait dit que c'était dans content et au lieu de post éventuellement ici about.md. Allez. Mais
Voilà, donc tu peux griller. Hop. On va essayer ça vite off comme ça. Je le fais en direct, hein. Je passe pas par la partie des entre guillemets développement. Mais du coup, il n'affiche pas de about quelque part. Donc je suppose qu'il va falloir lui dire de l'afficher, non? About.md, ok. Je vais vous redemander deux petites minutes. Et me revoilà. Alors, parce que là, finalement, il y a un about.md dans leur truc. Ah, faudrait créer un index.md. Ah, menu template. Content organization. Bah voilà. Ouais. Ouais, non. Ah, faudrait faire un about slash index.md. Ok. Content about et on mv content about. Ah, parce que je l'avais mis dans les posts, c'est ça? Non, je l'ai mis où alors? Je l'ai mis où mon about.md? Ah d'accord, je l'ai mis là. Ok. Voilà. Et si je redéploie maintenant, est-ce que c'est mieux? Je vois pas trop de différence. Peut-être que il faut rajouter un endroit quelque part. Ok. Ah, on est bien d'accord que c'est écrit juste ouais, index. Donc si jamais je reviens là et que je fais slash about. Ouais, bon. On a quand même. On a ça. Ok. Mais il faudrait à ce moment-là rajouter dans les menus du site, en fait. Ça, je vais refermer. Ça, je vais refermer aussi. Par contre, ok, on peut configurer. Bon, c'est quand même vachement bien documenté, je trouve, hein.
C'est franchement, c'est plutôt pas mal documenté. Je pense que c'est plutôt agréable. N'empêche que la minification déjà intégrée, j'aime beaucoup. Ça, c'était les page bundles. Ok. Je vais aller jeter un œil aux autres thèmes. Sais plus où est-ce qu'on a. Quick référence, non. Le blog de Linux Affaires avec Hugo bientôt. Alors, non, je pense pas. C'est pas le but. C'est pas le but. Mais puis de toute façon, enfin, là, à ce moment-là, enfin, non, Linux Affaires, c'est honnêtement, je pense pas que ce sera statique un jour. C'est jamais, hein, mais je doute fort que ça devienne statique un jour. Quelqu'un qui a fait un truc façon GitHub, j'aime beaucoup. White Plain. Bon, c'est peut-être un peu trop la vie de famille, la suite, bonne soirée à tous, bis. Oui, c'est vrai que sur le coup, j'avais même pas fait attention. Eh bien, bonne soirée, bis. Ok. Mais voilà, GitHub style. Ah, j'aime beaucoup. Je trouve ça très drôle. Ah, celui-là me botte bien. Tiens, on va essayer. Non, attends, je l'ai déjà, mon... Hop. Hop, allez, on redéploie. Et... Non. J'ai fermé l'onglet? A priori, j'ai fermé l'onglet. Hop, allez. Ah non, je l'ai pas refermé. Il était là. Ah oui. Non, c'est propre. Je vais jeter un œil en local. Hop, dans le minifier, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est un petit peu plus. Un petit peu plus gênant là. Hop. Il manque des trucs, on dirait. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Je rafraîchis. Bizarre cette affaire. On est d'accord que. De toute façon, j'ai la favicon du cactus. Ok. Ça c'est plutôt pas mal. Et si je reviens ici. Ah, si, là j'ai des trucs. Là, j'ai des trucs aussi. Pourquoi il m'a pas... Ah, il veut à tout prix que ce soit localhost. D'accord, c'est qu'il doit y avoir des trucs hardcodés ou je sais pas trop comment.
C'est plutôt pas mal, avec quelques changements de couleurs, je pourrais peut-être faire un truc sympa avec ce thème. Non, franchement, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez voir? J'ai pas rajouté d'image dans un article. Je vais aller récupérer. Mais non, c'est l'image que je veux. Hop. Alors, comment est-ce qu'on écrit un blog post et comment on le... Ça, c'est le getting started. Quick référence. Content management. Il faudrait faire un images. Ah, après faire un index.md et mettre dedans. Ok, bah, c'est limite, ça se fait, hein. Dans Jeez. Et ensuite, MV2. Alors, par contre, il va falloir que je fais. Tac. MV le streamingonyougo.md dans streamingonyougo slash index. Enfin, index, j'ai dit, .md. Ok. Ah, oups. Et à partir de là, si je veux faire un deploy, qu'est-ce que ça donne? Remarque, je peux peut-être faire un serve, tout simplement. Voilà, hein, avant de déployer bêtement. Ok, donc j'ai toujours mon article. Et ah, ok. Il m'a mis. Ah, mais attends, mais je suis parti sur sur la prod là. Donc là, je vais être là. Hop. Ok, donc il m'a quand même fait un énorme. Il m'a fait un énorme truc. Il m'a fait un énorme truc. Alors, comment on peut gérer les images? Salut Lapin Féroce. Bah écoute, ça va, ça va. C'est pas la grande forme en ce moment. Je pense que ça s'entend un peu. Je couve un rhume. Enfin, je couve. Non, je couve plus là. En fait, je joue avec Hugo ce soir. Et toi, ça va? Alors. Tac, 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 content types. C'était ça, non? Non, ça, c'est page resources. Markdown attributes. Voilà. Ouais. Je suis pas sûr de bien saisir de quoi il, de ce quoi il, de comment il. Parce qu'en gros,
Enfin, il me colle tout seul l'image en gros comme ça dedans. Mais je veux peut-être pas forcément qu'elle soit ce. Enfin, là, il me la colle en gros, alors que pourtant, le mouton, on le voit, il fait. Ah, remarque, ouais, il fait 2000 par 2000. Pourquoi j'ai mis un. Pourquoi il est à 2000 par 2000 sur mon site? Ah, il est tout petit. Il va falloir que je fasse quelque chose à ce niveau-là. Mais toujours est-il que. Ok, donc il le met à la taille. Mais si jamais je veux mettre des images à certains endroits, en fait, comment je. Ça, on a vu les. Ouais, d'accord, il fait du gold mark. Ah, d'accord, donc ce serait la syntaxe gold mark qu'il faut utiliser. C'est pas du markdown classique. Ah non, c'est juste que c'est l'implémentation du parseur de markdown. Ok. Donc a priori, c'est du markdown classique. Je sais pas si on peut appeler ça. Classique, mais ouais, d'accord, c'est pour changer le. Ok. Pour réutiliser Pandoc. Ok, je vois. C'est selon. Ok, c'est le renderer. Ok. Je vois, je vois, je vois. Et ça, après, c'est des options. Et on peut même faire des. Il y a même des extensions. Ok. Donc, a priori, ce que je peux faire. Ce que je peux faire. C'est ici. Content. Post. Index. Et ce que je peux peut-être faire, c'est rajouter ici. Et alors, si je tente un truc en markdown comme ça avec. Et là, a priori, il suffit juste que je mette. Je sais plus comment je l'ai appelé le. Ah, images. Il s'appelle electricownership.png. Donc là. Tac. Je relance le serveur. J'ai mis un build de draft qui est pas utile, mais c'est pas grave. Ensuite en local, je relance, je ref... Non. Ah, il m'en a mis une deuxième. Donc ça veut dire que par défaut, il va me. Il va quand même me laisser la grande, mais. Donc ce serait une option probablement. Où il faudrait que je lui dise ne prends pas la première image que tu vois pour la mettre dans les. Ok, donc en fait, il faut que je rajoute ça dans mon fichier de conf. Mais j'ai. D'accord, j'avais lancé deux fois le truc. Tout va bien. Oui, d'ailleurs, il me l'avait changé d'adresse. Ok, tout va bien.
C'est ça, hein, c'est dans le point tonal. Ok, donc a priori, je peux laisser comme ça. Oups là. Non. Non, il n'en veut pas. C'est étrange. Ah non, c'est quand il trouve. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça qui. Bon, ah, image processing. J'avoue que c'est un peu. Ça a l'air un peu compliqué juste pour des images. Là, je suis un peu. Je suis un peu déçu sur la manière de gérer les images. J'ai l'impression qu'on peut faire pas mal de choses. Ah oui, j'ai l'impression que vraiment qu'on peut faire pas mal de choses. Mais moi, tout ce que je veux, c'est. Ah, on peut. Ok. Le truc, c'est faire quand même pas mal de choses en standard. Alors. Sur le Content Organization, je crois qu'on l'avait regardé avec les, ouais, avec les patch bundles. Bon. Bah écoutez, ça a l'air quand même plutôt pas mal, hein. Je pense que c'est juste peut-être des problèmes de compréhension de ma part sur certains trucs. À mon avis, je sais pas s'ils ont des. Sur le Getting Started, ils ont pas fait un truc du genre. Y a pas un exemple. Le Basic Usage. Build your site. Draft. Ça en a vu le déploiement. External Learning Resources. Ok. Donc forcément, il y a des gens qui ont écrit des. Ah, step by step. Tutoriel. Ok. Tac, setup. What's next? Basics of Hugo Layout. Tac, 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 ça continue. Votre première page, votre premier layout. Ah, d'accord, on peut créer. Oh, punaise. Ok.
Mais là, non, il nous fait faire un thème. C'est pas possible. Ouais, non, mais... L'idée, c'est quand même d'éviter d'avoir à faire du HTML soi-même. Blogging, tiens, hop. Ouais. Créer un post, ok. Et à aucun moment il populate map plus de vacation. Oui, mais non. Et il n'y a personne qui parle des trucs de base de genre tu veux mettre une image dans ton article. Ok, bon. Bon, c'est moi qui n'ai pas dû comprendre un truc. Parce que image processing, ok, page resources, ça on l'avait pas vu. Si, ça me dit un truc. Donc ça c'est pareil, c'est pas du markdown ça, si? Bon. J'avoue. C'est un peu... Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, là, voilà. Ok, bon, je vais pas, je vais pas perdre non plus 25 ans dessus. Mais globalement, alors, tutoriel en vidéo, bon. Parce que pourtant c'était ça, image processing, mais ouais, non, ça c'est vraiment le. Des menus. Ok, ça peut être cool. Ah, d'accord, il y a moyen de faire ensuite des. Ok. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a vu, on a fait le tour de la base. Je pense que je rajouterai des, enfin, j'essaierai, enfin, sur le projet que je souhaite faire. Je pense que je passerai un petit peu de temps dessus. La question que je me pose, c'est est-ce que je fais un deuxième épisode où je pars vraiment sur le projet en lui-même qui était ce que j'espérais, c'est peut-être l'utiliser pour ressusciter, remettre des pages propres sur netbsdfr.org. Je sais pas si c'est un truc qui vous intéresserait, donc n'hésitez pas à m'en faire part soit dans le chat, soit pourquoi pas bah, sur le Discord de la chaîne. Dans l'immédiat, je pense qu'on va en rester là ce soir. Puis je commence à avoir la voix qui déraille un peu. Donc ce sera peut-être une bonne chose que je m'arrête. Bien, bien, bien. Hop. Bon, c'était un peu calme, on n'a pas fait des trucs de fou ce soir. Mais il y a des fois comme ça, où on peut pas faire des trucs de fou à chaque fois. J'espère que malgré tout, ça vous a plu. Comme d'habitude, donc je stream les dimanches entre 18h et 20h. Pour l'instant, c'est une fois par semaine. Ça fait un petit moment que c'est une fois par semaine, mais il n'y a pas de changement prévu à ce niveau-là. Vous pouvez retrouver, j'ai refait pas mal d'uploads ces derniers temps. Donc, j'ai pas mal j'essaye de combler mon retard un jour à la fois pour ce qui est de la VOD qui est disponible sur ma chaîne YouTube. De même, tous mes réseaux sociaux, en fait, c'est très simple, hein, il vous suffit de faire point d'exclamation socials dans le chat pour aller sur anotherhomepage.org, qui est donc ma page perso, alors qui par contre est faite en HTML à la main, et qui vous donne en fait accès à non seulement
la chaîne YouTube, renvoie bien entendu vers cette chaîne Twitch, vous indique tous mes réseaux sociaux ainsi que l'adresse du serveur Discord auquel on peut, dans lequel on peut discuter. Et notamment, j'avais prévenu même un petit peu ma petite communauté des thèmes sur lesquels j'envisage de faire des streams dans les prochaines semaines à venir. Voilou. On va aller faire. Alors, est-ce que notre ami, notre cher camarade Adrien est en live? Est-ce qu'il est en live? C'est une bonne question. On va aller voir ça tout de suite. Et je n'ai pas l'impression. Sinon, d'habitude, je l'ai assez rapidement dans les. Ah, si, il y est. Il y est. Bon, et bien comme d'habitude, on va aller faire un petit coucou à Adrien de la chaîne Linux Tricks. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout simplement une bonne soirée. Un bon début de semaine. J'espère que vous irez très bien et que moi ça ira beaucoup mieux niveau rhume. Voilà, voilou. Allez, ciao, ciao, à la semaine prochaine!